Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beaucoup, 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 beaucoup demandée. Très demandée, il s'agit de la vidéo de mes achats sur Wish. Alors depuis que j'ai découvert ce site, je me suis lancée, je n'osais pas commander dessus. Et un jour, je me suis lancée, j'ai fait une commande donc au mois de mars. Donc là, ce que je vous présente, c'est des achats du mois de mars, avril, mai. Voilà, et j'en ai d'autres en cours. Donc c'est vrai que c'est un site super pas cher en fait. Les livraisons sont assez correctes. Ça vient des fois en 9 jours. Le plus rapide pour moi c'était 8 jours, une semaine quoi. J'avais déjà des trucs. La qualité pour certaines choses c'est top. Faut bien regarder les étoiles, les commentaires, les photos, etc. Il y a juste peut-être quoi un article qui m'a un petit peu déçu, mais sinon le reste franchement c'est top. Niveau habits, écoutez, j'ai commandé vraiment plein de trucs. Là j'ai commencé à commander des loisirs créatifs, j'ai aussi commandé pour la cuisine des moules, etc. Donc là je vous fais déjà le petit haul. Ah merde. Donc on reprend où on en était. Donc, je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure. Alors on va tout de suite commencer par le haul. Il y a Mademoiselle Clara qui s'est rajoutée. C'est elle qui a toqué. Et voilà. Donc on va commencer. Vas-y, tu peux me passer des objets qu'on a commandés sur Wish en partant de là-bas. Voilà le truc à dentifrice par exemple. Donc ce que j'ai commandé, c'est un truc à dentifrice. Par contre, pour les prix, je sais plus du tout. Franchement, je sais plus. C'est dans mon truc de commande, je sais plus. Alors, moi, il me semble que celui-ci, je l'avais payé 3 ou 4 euros. Donc, c'est à chaque fois 1 euro les frais de port ou alors 2 euros. Ça dépend de la lourdeur du truc. Donc, vous avez donc le truc où on met le dentifrice là. Et ici, vous appuyez là. Là. Et quand vous appuyez, la dose de dentifrice sort. Et puis à côté, donc vous avez le cache à accrocher pour ranger les brosses à dents. Et puis c'était fourni avec les adhésifs double face. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas testé. Je l'ai mis de côté pour vous montrer. Ensuite, ouais, j'ai commandé ce pull-ci. Donc je vous mettrai à chaque fois les photos des vêtements portés en fait. Celui-ci, c'est épaule dénudée. Donc voilà, je l'aime beaucoup, la matière est super, c'est épais et tout, c'est vraiment trop bien, il retombe super bien. Donc j'étais super contente. Donc comme dit à la fin ou entre les deux, je sais pas, je mettrai les photos des habits portés pour que je vous montre comment ça fait. Ensuite, il y a ce jogging là que j'étais déçue parce qu'en fait il est super taillé, il est super taillé petit. Donc c'est le pull, comme ceci. J'ai pris L ou XL. L, j'ai pris L. Donc j'aurais peut-être dû prendre XL. Et bon, c'était une des premières fois que je commandais. Voilà. Et puis le bas, quoi, c'est un bas. Voilà, donc je le prends en pyjama. Et je vous montre aussi comment il fait porter. Ensuite, on continue dans les habits. Tellement que j'aimais ce pull, je l'ai repris en une autre couleur. Donc en blanc cassé. Et j'ai pris taille au-dessus pour voir si, pour la différence, pour voir si ça tombe mieux, si c'est plus long. Bref, moi j'aime bien les plus longs. Donc le noir, il me satisfait. Et celui-ci, il me satisfait aussi. Ensuite, j'ai pris ça. Donc là, il faut que je maigrisse parce que c'est joli, mais moi je trouve qu'il ne me va pas. Voilà, c'est une tunique, comme ceci, une robe tunique, on va dire, marine, dos mi-dénudé. En fait, et je vous montre après comment c'est porté, mais moi j'aime pas trop en fait. C'est joli sur quelqu'un d'autre, mais sur moi ça va pas. Ensuite, j'ai commandé ce super legging pour celui-ci, 5 euros. Voilà, donc motif aztèque. Moi je le trouve trop, 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 trop beau, et en fait, je l'ai pris pour aller avec le gilet, comme il y a en fait sur la photo de Wish. Je voulais le gilet et le legging qui va avec. Donc c'est un gilet avec, vous voyez la tête de mort comme ceci, vous voyez. Voilà. Et il est super bien. Franchement, matière géniale. Il y a des poches sur le côté. Vraiment top ce gilet. Et donc je vais vous montrer comment ça fait avec le legging. Ensuite, j'ai commandé un collant.
Donc ça, j'ai déjà reçu sur Neijolie. Donc, et bah moi je suis fan de ces collants-là. Donc j'ai fait un stock. J'en ai pris plusieurs de chez partout en fait. De chez Neijoli, de chez AliExpress, d'un peu partout, Amazon. Donc j'ai un stock de collants chat. Et celui-ci aussi j'ai commandé donc sur Wish. Voilà. Ensuite, pour la cuisine, j'ai pris une louche. Elle était assez marrante parce que quand on mange la soupe, quand on la pose à l'intérieur, vous voyez, on peut la poser dans la casserole, et ben on a le petit monstre du Loch Ness qui sort et ça fait vraiment chouette quand on a des invités ou même comme ça pour nous. C'est amusant, je trouve. Il y a aussi passoire. Peut-être qu'un jour je vais me prendre passoire, mais je la trouve super bien quand on mange notre soupe au vermicelle d'avoir une petite louche dino. Ensuite, et puis elle est à 1 €. Ensuite, j'ai commandé une crème de corps qui enlève les vergetures. Donc, je n'ai pas encore testé, par contre, je l'ai senti. La texture est géniale. J'ai l'impression que c'est vraiment très très bien. Compact, c'est vraiment. C'est du naturel. Il marque que c'est fait avec des produits naturels en fait. Et franchement, c'est génial. C'est bien compact. C'est vraiment bien la texture et tout, c'est. Ouais, et ça se sent que c'est du naturel. L'odeur est très 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 agréable. Donc c'est un petit contenant et je sais plus le prix. C'est trop dommage que je sais plus le prix. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Je suis pas du tout sûre, mais j'essaierai. Ensuite, j'ai pris un petit eyeliner en forme de Coca-Cola. Parce que je trouvais que le packaging était super mignon, super joli. Et puis il est plus grand que je l'imaginais. Et puis ben voilà. C'est noir quoi, ça. Oups, merde. J'ai un petit peu fait la cochonne. Voilà. Donc c'est noir quoi. C'est. Comment vous montrer? Comme ça. C'est noir intense. Voilà. Petit eyeliner. Top, nickel, génial. Dans un packaging Coca-Cola. C'est génial. Ensuite, j'ai commandé une pâte pilaf noire. Alors ça, c'est vraiment génial. Ce truc, il marche, mais du tonnerre. J'ai fait donc mon nez, les points noirs, etc. Ici, le menton. Faut laisser une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. Je vais me foutre du eyeliner là partout sur le nez. Ça y est, bah oui, voilà. J'en ai partout, je reviens. Voilà, je suis de nouveau là. Alors, ce masque peel-off, donc je l'ai essayé sur le nez et les zones du menton. Et en fait, ben, au bout d'une demi-heure, donc ça devient sec. Et puis quand on l'arrache, on voit hyper bien les points, franchement. Et celui-ci était à 3 € il me semble, ou 2 €, je sais plus. Ça dépend parce que des fois, il y a des ventes promo, des ventes flash, et ils baissent les prix pendant je sais pas combien de minutes, etc. si on commande. Et moi, je l'ai eu vraiment pour pas cher. Hein. Et je crois même que je l'avais eu pour 1 € et 1 € de frais de port, je sais plus. Mais franchement, ce masque, il est génial. Ensuite, je me suis commandé des extensions à queue de cheval. Donc c'est très bien, c'est très pratique parce qu'on a le ruban. Donc c'est pour faire une queue de cheval. Donc quand vous mettez ça comme ça, moi je croyais que j'avais pris la couleur la plus claire. C'est la plus claire que j'ai pris, il n'y avait pas blond. Mais ce n'est pas ma couleur. Donc je ne sais pas si un jour je retourne chez le coiffeur me faire les pointes de cette couleur-là. Vous savez, comme j'avais déjà, enfin la nuque on appelle ça, comme j'avais déjà. Et puis mettre ça par-dessus. Mais c'est vrai que quand on fait ça queue de cheval, on met ça comme ceci et on fait le tour avec le ruban, on l'accroche et puis bah, ça fait super joli en fait. Moi j'aime bien. C'est la matière des cheveux sont super bien. Je l'ai déjà brossé, coiffé et puis franchement j'aime bien. Donc je vais voir. Franchement ça a son style, ça a son effet et puis les cheveux sont souples et tout, c'est vraiment soyeux et franchement pour moi, on dirait pas du tout que c'est des faux, que c'est du synthétique, on dirait juste que c'est des cheveux bien lissés, bien soignés et voilà, moi je trouve que ça fait hyper joli. Ensuite, je me suis commandé ben ce que tout le monde a hein, bien sûr. La brosse lissante. Alors je l'ai allumée, je l'ai branchée pour tester, voir si ça marche, à combien de degrés, etc. Elle marche. Par contre, je n'ai pas encore essayé de me les lisser avec, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. En tout cas, il marche, il s'allume. Mais je me mets en tailleur, j'ai mal aux pieds.
Mais en fait, voilà, moi j'ai la brosse bain comme tout le monde, quoi. Et voilà, donc je suis contente de l'avoir, elle marche bien, et puis je vais essayer peut-être sur Clara ou je sais pas. Ensuite, vas-y, donne-moi tout. J'ai commandé en loisirs créatifs des perles. Donc en fait, elles étaient toutes mélangées dans un même sachet. Il y avait 500 perles. Donc ma fille et moi, on s'est amusé à les trier. Donc c'est des bleus qui dégradent en fait. Voilà. Ensuite, il y a des bleus foncés. Donc on s'est amusé vraiment à tout trier parce que c'était tout dans le même sachet. Et là, j'ai recommandé un paquet parce que je les adore. Et il n'y en a pas assez de chaque couleur pour moi. Ensuite, les roses. Et puis les violettes. Donc c'est aléatoire, il y en a plus d'une couleur que de l'autre en fait. Et je les trouve super jolies. Et eux, c'est trop dommage qu'il n'y en avait pas assez. C'est pour ça que j'en ai recommandé pour avoir ceux-là. Et là, c'était les arcs-en-ciel. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est les perles avec les. Je vais essayer de vous en prendre une pour montrer. Si on va bien voir, regardez pas mes ongles, j'ai pas fait le vernis, mais regardez bien la perle. Voilà, c'est arc-en-ciel. Donc tout ça c'était dans un même paquet. Je me répète. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris sur Wish? Des lunettes de soleil, forcément, parce que à 1 euro plus 1 euro de frais de port, donc ça fait 2 euros. C'est des imitations Ray-Ban, celles-ci. Donc elles sont classe. Moi j'aime bien avoir beaucoup beaucoup de lunettes de soleil. Donc voilà, ça fait super, moi je trouve, elles sont super jolies celles-ci. Et j'ai commandé celles-ci pareil pour 1 euro et 1 euro de frais de port. Elles sont comme ça. Et moi celles-là, elles sont bien pour aller à la piscine, voilà. La classe. Ensuite j'ai commandé des petites boucles d'oreilles. Je vous mettrai la photo de comment elles font donc sur Clara. Parce que c'est des petits chats, il faut mettre la tête devant et le corps derrière. Et pareil, il me semble que je les ai eu pour 1 euro. Je vais vous la sortir. Comme ça. Elle est chou, hein. En bleu, j'ai commandé. Il y a plusieurs couleurs. Et je vous mettrai une photo. Ensuite, j'ai commandé, c'est long, hein, des ciseaux pour les sourcils. Donc ça c'est parce que je fais les sourcils à mon chéri. Donc on a le petit peigne, voilà, pour les brosser. Et puis ça coupe les sourcils. Et franchement, je l'ai bien réussi grâce à ces ciseaux-là. Et ensuite, j'ai commandé deux montres à 1 euro. Alors une montre avec une breloque papillon. Voilà. Donc tressé, cordelette, bouton pression, magnifique. Et une avec une breloque plume, ce que j'adore. Et pareil, tressé avec le bouton pression. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Des chambala, des perles à chambala. Pareil, elles étaient mélangées, c'était tout dans un même sachet. Donc j'ai voulu les trier et... on les a triés par couleur. Donc voilà. Et là, il me reste ces couleurs-là. Bon, j'en ai déjà utilisé beaucoup pour faire mes créas. Mais voilà, c'était tout dans ce sachet mélangé. Je sais plus combien il y en avait. Je sais plus, mais beaucoup. Voilà. Mes petites perles à chambala. Ensuite, j'ai commandé... Ah, celle-là, je les ai aujourd'hui. Des petites breloques. Donc, il y a beaucoup de breloques. 3 euros il me semble qu'elle coûtait, donc il y a de tout, mais c'est des breloques en rapport avec la mer. Donc il y a des sirènes, des poissons, des sirènes, des poissons, des coquillages, des étoiles de mer, etc. Donc tout ce sachet là il est venu comme ça. J'ai payé combien ça? Il me semble que c'était 3 euros. Ensuite j'ai commandé 6 cartes mémoire, je crois qu'elles étaient à 12 euros les 6. Cartes mémoire de 128 gigas, donc elles sont vendues par 3 à 12 euros. Ouais, je raconte des conneries. Ouais, c'était les 3 à 12 euros. Et j'ai dû en prendre 6 parce que c'était pas pour moi. Et il y a l'adaptateur et il y a la mini carte, quoi, en fait, pour appareil photo, tablette,
etc., téléphone. Donc voilà, j'en ai 3 à 128. Mais des fois, elles ne correspondent pas au format de l'appareil photo où ça tape un bug. Donc en fait, je sais pas, moi j'en ai déjà une qui a bugué. Donc je vais essayer les deux autres et on verra. Ensuite, j'ai commandé un stéthoscope parce que j'avais très envie de faire comme les docteurs et d'écouter le cœur de mes enfants. Il marche super bien, on entend super bien le cœur. Celui-là, je l'ai eu, il me semble, pour 1 ou 2 euros. Et en fait, ouais, les couleurs sont aléatoires aussi. Il y a rouge, plein de couleurs. Et en fait, franchement, c'est vraiment trop bien parce que on entend vraiment le bruit du cœur. Je n'osais jamais demander à mon docteur de me faire essayer son truc pour écouter le cœur. Et maintenant, je suis trop contente parce qu'on s'écoute vachement souvent le cœur et on joue au docteur avec des vrais accessoires. C'est toujours plus intéressant. Ensuite, on continue dans le médical. J'ai mal aux pieds. Dans le médical, j'ai pris une lampe comme ceci pour regarder dans les oreilles. Parce qu'en fait, mon fils a souvent des bouchons et ma fille s'est fait poser des drains. Donc, je voulais aller espionner ce qui se passe dans les oreilles et je me suis acheté celle-ci. Ce qui est bien, c'est qu'on a un embout comme ceci, deux embouts incurvés, donc pour faire lampe de poche, enfin lampe d'oreille quoi. Et on a l'adaptateur pince qui fait de la lumière jusqu'au bout pour aller chercher le bouchon. Et moi, grâce à cette lampe, j'ai pu retirer le bouchon moi-même de mon fils. Après, si vous savez pas, ne le faites pas. Moi, je sais à peu près comment faire pour enlever un bouchon. J'ai fait des solutions, des rinçages, etc. avant pour le ramollir. On ne peut pas enlever un bouchon comme ça avec une pince tirée. Il faut vraiment être délicat. Donc, moi, je sais le faire. Donc, voilà. Mais ceux qui ne savent pas, n'y touchez pas. C'est très précieux, les tympans. Donc voilà, grâce à cette petite lampe, j'ai pu aller vérifier dans les oreilles de mes enfants pour pas cher. Ensuite, ça c'était un cadeau que j'avais fait à Clara. Donc je voulais absolument la féliciter pour son bon comportement. Et en fait, je lui ai pris ça parce que ça coûtait 1 euro plus 1 euro de frais de port. Et franchement, il est quand même assez grand. Il est large. C'est un petit renard avec une plume. Et ça fait super bien, moi je trouve. Il est tellement mignon. Je l'ai trouvé chou. Je lui ai dit, tiens, tu le veux? Elle m'a dit oui. Donc voilà, il a la queue qui bouge et tout. C'est vraiment trop trop chou avec plein de mini strass et tout. Il est vraiment trop bien fait. Et la chaînette est assez grosse et franchement, ça pour 1 euro. Mais moi, j'adore. Je dis oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé un stylo tampon parce que je voulais tester. Je trouvais ça mignon. Alors, c'est comme des Tipex ou des trucs de colle, vous savez, les roll-on. Et en fait, vous prenez, je vais vous montrer, un calepin et vous allez rouler comme ceci. Et ça va vous faire, ah, oh, c'est trop chou, une petite frise comme ça avec des petits animaux, etc. Donc, moi, j'ai pris quelle forme? J'ai pris coccinelle, abeille, etc. Donc, c'est ici, c'est dessiné là. Il veut pas me faire de mise au point, je suis désolée. Mais voilà, ça fait des petites frises. Et je trouve ça trop joli, ce petit tampon pour faire, pour souligner des titres ou des trucs comme ça. Je regarde toujours là parce que j'ai le retour en fait. Je suis pas bien en face, je suis pas cadrée. Ensuite, j'ai commandé quoi? Encore en loisirs créatifs, je me suis commandé. Bon là, j'en ai déjà utilisé, il est ouvert le paquet. Mais plein de petits papillons comme ceci. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Voilà, donc en truc de collant là, avec un strass, du fil de fer. Et c'est génial parce que quand je fais mes lampes de bébé Fimo, eh ben, il me faut tout le temps des petits papillons pour faire les ailes derrière, etc. Suivant les modèles que je fais. Et en fait, il n'y avait que des couleurs, c'était pas mélangé. J'aurais bien voulu un mélange rose, jaune, etc. Mais il fallait choisir par couleur. Et moi, la plus jolie que je trouvais, c'était bleu. Je ne pouvais pas tout commander non plus. Donc j'ai pris le bleu. Et puis, dernier achat, j'ai pris une petite pochette parce que quand on va partir en vacances, il faudra ranger ben ça, les cartes mémoire. Il faudra les ranger quand elles seront pleines pendant les vacances. Donc, je les rangerai pour faire le montage de mes vidéos à la maison. Donc, dès que j'aurai une carte pleine, je la rangerai dans le compartiment. Pour les cartes, voilà, j'ai tout prévu. Donc ça, c'est mon petit porte-monnaie pour les cartes mémoire. Voilà. Et puis, j'ai aussi pris une robe à ma petite fifille. Elle est trop, trop jolie. Voilà, je l'ai vue, j'ai flashé dessus.
Et puis ben, je lui ai prise. Et pareil, on vous montre la photo portée. Alors je vais essayer de vous mettre les prix. Elle va me prendre du temps cette vidéo. De vous mettre les prix, de vous mettre les photos, etc. etc. Et voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de choses et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao! Donc voilà, Clara porte la robe que je lui ai achetée en taille 8 ans. Donc je ne l'ai pas repassée, hein, je l'ai lavée, je l'ai mis comme ça. Vas-y, tourne. Voilà, donc avec le nœud sur l'arrière, comme ceci. C'est vraiment trop beau, on dirait une poupée. Vas-y, tourne. Voilà, c'est trop trop beau. Clara porte les boucles d'oreilles, donc petit chat. Donc voilà, qu'on vous a dit qu'on vous montrerait. Donc voilà, vous voyez la tête là et puis le corps ici de l'autre côté. Et Clara porte également l'extension de cheveux que je vous ai montré. Donc c'est à peu près la couleur de ses cheveux. Donc voilà, je lui ai mis avec le petit nœud au-dessus. Ça fait super bien. Ça se mélange bien dans ses cheveux, je trouve. Et voilà, ça fait super joli. On dirait une poupée là, comme ça. Et voilà, c'est bon, tu peux tourner. Magnifique. Mets un peu les cheveux devant pour voir comment ça fait. Waouh! Trop beau. Ah, ma maman porte donc le legging. Voilà, le legging aztèque. Voilà. Comme ceci. Voilà. Avec Avec le gilet. le gilet tête de mort. Voilà, désolée pour le t-shirt, hein, ça va pas avec, mais c'est le seul blanc que j'avais. Donc c'est pour vous montrer la tête de mort sur l'arrière. Voilà. Voilà, donc c'est trop beau avec les poches et tout sur le côté. Ouais, voilà. Donc Ensuite, nous avons le pull épaule dénudée. voilà. Il est trop beau celui-là. Il se porte super bien. En plus, avec l'encre marine dessus, ça fait très très joli. Voilà. Le derrière, il est tout à fait spécial. Voilà. Et c'est très joli avec l'épaule dénudée. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc la taille au-dessus, pour qu'il descende un peu plus, qu'il soit un peu plus large. Et pareil, trop beau en clair. Voilà, au moins je l'ai en noir. Et en clair. Voilà. Donc là, je porte les collants chat, comme vous pouvez le voir. Là. Et puis derrière, ça fait comme ceci, avec la petite queue. Et puis, je porte donc la fameuse robe tunique. Voilà, dénudé sur le derrière, comme ceci. Voilà. Donc, pour moi, je suis encore un petit peu trop grosse pour porter ça. Il faut que je perde encore un petit peu parce qu'elle moule super bien et j'ai pris la taille la plus grande. Donc, vous pouvez la porter genre un peu plus court, comme ceci, vous voyez, avec un legging, ou alors sur les longueurs avec un collant. Voilà. Donc, moi, c'est la fin de la journée, j'ai mangé, etc. Donc, c'est clair que là, c'est pas très glam. C'est pas très beau, mais voilà. Et puis j'aime bien, par contre, ouais, il faut que je perde un tout petit peu de poids et cette robe sera magnifique. Voilà, la matière est parfaite, les collants sont géniaux. Franchement, moi j'adore ces collants, je les adore. Moi j'adore ces collants, ouais, voilà. Et donc voilà la dernière pièce, donc c'est le jogging que j'aime pas trop parce qu'il est super petit, donc il va court ici. Il est pas trop serré, mais il est trop court ici. Et puis bon, le pantalon ça va quoi, il n'y a rien à dire. Mais c'est surtout le haut, je l'imaginais un peu plus long, mieux cintré, ça fait plus joli sur la photo. Là j'utiliserai ça comme, comme pyjama, vous voyez, comme pyjama. Voilà!